Salut tout le monde, c'est Mia, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo réaction, c'est la première fois, à la bande-annonce qui va sortir dans quelques minutes, 16 minutes exactement pour moi. Il s'agit de la bande-annonce du pack Loup-garou. Ça s'appelle apparemment vraiment Loup-garou, en anglais en tout cas. Donc je suis déjà plus que ravie, c'est un événement que j'attends depuis. Je suis une grande fan du fantastique dans les Sims, j'adore les vampires notamment, et les loups-garous, j'y croyais plus franchement. C'est sur ma liste de vœux depuis... depuis que les vampires sont sortis en fait à peu près. Donc pour l'occasion, je vous fais une vidéo réaction. Il se trouve que là je suis chez moi, prête à regarder cette bande-annonce, donc c'était l'occasion ou jamais. Je vous propose donc de regarder la bande-annonce ensemble, et après on fera un petit débrief et je repasserai la bande-annonce en faisant des commentaires. Je pense que je vais être une vraie groupie, enfin j'espère que ça va être à la hauteur de mes attentes, mais il faudrait vraiment qu'ils aient fait n'importe quoi pour que je ne sois pas satisfaite, je crois. Rien que le fait qu'on ait des loups-garous est déjà parfait pour moi. Même s'ils sont imparfaits, je serai contente. J'espère juste que je vais pas regretter cette phrase un peu plus tard. On verra. Ah, plus que 14 minutes. Il est 17h. Ça commence! Oh là là. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Oh là 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 là. Un lac magique. Oh, trop beau, trop beau. On dirait Twilight. Ah, ils peuvent se déplacer à quatre pattes. Oh, ça, c'est trop cool. Ok, c'est très industriel, j'aime beaucoup. Ok, c'est une morsure. Tous ses voisins sont des loups. Oh, j'aime trop, ça fait rock. Ah ouais, la déco a l'air trop bien. Et voilà, la pleine lune. Alors! Alors, à quoi ça ressemble? Voyons voir. Oh putain! La belle et la bête. Trop bien! J'aime bien, hein! Ah, franchement stylé. Franchement stylé. Oh bah bravo. Alors, les combats. Ok. Au niveau des fourrures, il y a plein de couleurs différentes, hein. Ah, j'espère qu'on pourra chasser en meute comme ça. Forcément. Et la super belle map. Run wild. 16 juin. Ça va, c'est bientôt. Ça, c'est cool. Bon! Eh ben, dis donc. Ça m'a l'air d'être exactement ce que j'attendais, hein. Ni plus ni moins, pas de surprise par contre. Alors, est-ce qu'on peut revoir cette merveille? On voit que c'est une map de forêt, mais avec des éléments industriels, comme si on avait des chantiers un peu à l'abandon, des chantiers forestiers. Ok, donc là on a déjà deux habits nouveaux. On a un pull bien confortable avec un pantalon, ce qui fait bien bûcheron. J'adore ce style, donc ça va être super cool. Derrière, on voit un bâtiment qui est tout tagué. Est-ce qu'on aura des nouveaux tags comme ça? Ces tags, ils ont l'air super beaux, franchement. Et bon, là, on a une longue veste avec un peu un patchwork, différents éléments. J'aime beaucoup la coupe de cheveux du monsieur. Voilà, donc ça disparaît. On dirait qu'on a un nouveau canapé, là, et une porte qui est toute griffée. Donc là, on a des éléments de salle de sport aussi qui ont l'air neufs. Le miroir cassé, c'est un super détail. Pour des constructions un peu abîmées, ça va être sympa. Lui, j'adore son look. On a la même coupe de cheveux que tout à l'heure.
avec un t-shirt déchiré et le logo, et le pantalon tout déchiré. Sympa aussi, avec les petits carreaux. La fille, on voit un peu moins bien, mais c'est la coupe de cheveux qu'on voyait, en tout cas, dans les images de trailer. Donc là, on a un lac magique. Alors, je sais pas si ce lac aura une spécificité ou si c'est juste de la déco. J'adore ce paysage. Ça me fait un peu penser à Glimmerbrook, Granite Falls, mais bon, j'aime beaucoup le côté industriel comme ça. On a cette rivière aussi qui est très sympa. Donc là, notre héroïne avec cette nouvelle coupe de cheveux. Donc ouais, le fait que les loups se déplacent à quatre pattes, ça me paraissait indispensable. C'est vraiment bien ça. Vraiment, le décor est très sympa. Par contre, je pense que voilà, il n'y aura qu'un seul quartier dans cette map. À mon avis, on n'aura que ça. Donc là, on peut voir ça. Chemise à carreaux, son jean avec différents empiècements aussi. Certainement de nouveaux bracelets. Donc j'imagine que ce sera par une morsure hein, qu'on pourra devenir un loup. Super beau. Hein. Ils font vraiment cartoon ces loups et c'est super. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Ok, donc là, on voit une nouvelle robe qui est très sympa. Et là, un nouveau haut également. Une chemise avec un pull en dessous. Et... le pantalon, je sais pas si c'est le même que le jeune de tout à l'heure. On voit qu'on a un sapin avec des petits pendentifs aussi. Et j'imagine qu'il y aura des plantes nouvelles, peut-être. Si on nous les montre, peut-être, je ne sais pas. Là-bas, il y a quelque chose, j'arrive pas à voir ce que c'est. Un tas de bois, une toile tendue entre deux arbres. On voit la fille de tout à l'heure, donc on aura aussi un nouveau short. Je pense vraiment qu'il y aura de nouveaux tags, hein, parce que là, on en retrouve sur cette maison. Bon, cette coupe de cheveux, je suis beaucoup moins fan, mais bon. Ah, on a des boucles d'oreilles avec des pattes de chien, enfin de loup. Ouais, nouveau bracelet et à mon avis une nouvelle manucure aussi. Hein. Donc là, on a un repère, super beau tag aussi, ou à moins que ce soit un motif de la porte, mais c'est super beau. Là, j'ai bien aimé l'effet qu'ils ont fait avec l'ombre. Encore des motifs de mur très variés. Attendez. Alors là, c'est intéressant. Ouais, je pense vraiment que c'est un tag encore. Alors là-bas, qu'est-ce que c'est? Une fenêtre ou un miroir? J'ai du mal à voir. Peut-être un miroir avec une lune, on dirait. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Avec comme ça une fausse étagère avec des cristaux. C'est beau. Bon, un nain de jardin loup-garou, ça, je m'en fous. Ce qui est sous cloche là, ça me paraît nouveau. Avec des mâles aussi. On a un nouveau bar qui est super bien. On pourrait faire un bar à loup-garou. Là-bas, des plantes nouvelles. Là aussi, ces plantes sont nouvelles. L'éclairage, il a l'air nouveau également. La porte délabrée comme ça, nouveau. Belle affiche. J'aime trop là, le motif des trois loups comme ça. Ils font très smart. On dirait que c'est encore une plante vache en pot, hein, peut-être. Mais avec une cloche qui a une forme différente de celle qu'on a déjà. Là-bas, sur l'étagère, je vois qu'il y a des figurines de loups. Là-bas, de la déco, on dirait des pots cassés. Je sais pas. Nouvelle chaise, nouvelle table. Nouvelle lampe, comme ça, en forme de fleur. Très mignon. Nouveau fauteuil. Les fauteuils sont en cuir. C'est bizarre, celui-là, il fait pas très délabré. Alors que celui là-bas, il le fait vraiment. Nouveau tapis. Donc les mâles, je sais pas si c'est la même chose, mais à mon avis oui. Ça peut faire donc table basse, ça c'est cool. Nouveau livre avec des élixirs ou des encres pour écrire. Nouveau pot de fleurs là à moitié dans le tonneau. Ah, nouvelle décoration de cheminée aussi. Pas mal de choses hein. Alors dans la chambre, la même table et les mêmes chaises. Je suppose qu'on pourra manger des steaks comme ça crus. Ce poisson du coup je sais pas s'il vient avec le nouveau monde ou si c'est une déco, peut-être les deux. On a un petit mouton mignon là, je sais pas. À quoi il sert? On a un nouveau sol... Non, peut-être pas de nouveau sol. Si, ça c'est un nouveau sol. Et ça c'est un plancher qu'on a déjà. Et on aura des motifs de fissures. Donc c'est bien, avec le pack vampire, on a des fissures de mur. Et là, on aura des fissures de sol. Encore donc un motif de mur, comme un tag. Là, on dirait comme un rideau. Une toile tendue là, devant la fenêtre. Peut-être bien une nouvelle fenêtre, hein, en bois abîmé comme ça. Le lit... Il me semble que c'est un nouveau, mais... Ouais, ça doit être un nouveau, il l'aurait pas mis comme ça en plein centre. Un nouveau berceau, de petits loups, des pneus remplis. Ça, je crois pas qu'on en ait rempli de je sais pas quoi. Ces fauteuils-là, ils sont nouveaux. Bon, ça, c'est la chaise qu'on a vue tout à l'heure. Apparemment, nouveau bureau, nouvel escalier. Eh, mais il y a plein de trucs, c'est fou. Non, là-bas, waouh, j'avais pas vu ce magnifique petit bureau là-bas, trop mignon. Et l'horloge, avec le coucou, là. Non, mais il y a plein de trucs. Vraiment, pour un pack, il a l'air d'y avoir énormément de choses. Donc, on a bien sûr ce petit lit pour bambin qui est super mignon. Là-bas, on dirait qu'il y a une nouvelle barrière, une nouvelle lampe, un nouveau télescope. Donc, encore des stickers de mur. Un nouveau cadre, là, avec le papillon. Nouvelle étagère, je dirais. Ah, ça, à mon avis, les pneus sont des poufs. Et là, un nouveau ventilateur de plafond, c'est ça. On voit de plus près les plantes de tout à l'heure. Je me demandais ce que c'était, ce truc blanc. Du coup, c'est des bouts de bois qui ont été plantés comme des tuteurs dans des seaux. Franchement, ça change. Et là, on a une décoration un peu plus dark. On voit effectivement qu'on a de nouveaux appareils de muscu. Celui-là, celui-là. Des bidons d'essence.
Ouais, cette petite table là, je sais plus si je l'ai vue déjà. Oui, si c'était la table de tout à l'heure. Donc les nouveaux éclairages. J'aime beaucoup l'ambiance là aussi, hein. L'affiche là, elle est trop belle. Je sens que les affiches, même celles-ci, hein, elles sont super belles. On dirait qu'il y a du papier journal au mur pour calfeutrer les fissures. Là, on dirait qu'il y a des débris. Franchement, j'adore la déco. Ok, ouais, le coucou. Oh, j'avais pas vu. Trop belle cette lampe là, en lévitation. Oh, même ces petits champis là, mais c'est trop mignon. J'adore. Donc la lune, la transformation, c'est trop bien. J'espère qu'on pourra bien personnaliser la fourrure vraiment tout comme on veut. J'adore cette coupe de cheveux. J'ai envie de la mettre à Félicie direct. Et en plus, on a une nouvelle tenue avec une veste ou une chemise à carreaux nouée autour de la taille. Je veux pas trop m'avancer, mais vu les couleurs différentes qu'on a là au niveau des fourrures, j'espère vraiment que on pourra personnaliser tout comme on veut. On a une nouvelle guitare, super stylée. J'ai même pas fait gaffe. Avec, j'ai vu une veste aussi. Oh là 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 là, attendez, attendez, on va faire des pauses. On a un short tout déchiré. Il fait très loup-garou. Ok, les tenues, je crois qu'on a presque tout vu. Oh, mais là, ce haut, je l'avais pas vu, hein. Et mais, ça me paraît bien fourni. Oh, j'aime trop avec les lunettes. Ça veut dire qu'on pourra garder certains accessoires, au moins. Regardez, ça m'a l'air... Là, par exemple, il a un petit grain de beauté. Là, il a gardé ses lunettes. Là, il a gardé son collier. Beau collier, d'ailleurs. De tableau griffé, ça fait très Belle et la Bête, j'adore. Bon, pour faire pipi assis, ça, c'est génial. Trop mignon, celui-là. Les bambins pourront s'entraîner peut-être à hurler, mais ils seront pas des vrais loups. On a un petit pyjama pour bambins en attendant. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a ici. Bon, les combats, je sais pas si l'animation sera très très originale. Oh, nouvelle veste encore? Avec le trou sur l'épaule? Mais déjà, c'est bien qu'on puisse se bagarrer. Il y aura le hurlement, je sais pas ce que ça pourra faire. J'espère vraiment que ce sera un système développé avec, comme pour les vampires, des compétences. Ah, ils peuvent tirer une corde pour se disputer. Oui, je disais vraiment des compétences de loup évolutives. Et mais c'est super là, cette espèce de bus abandonné avec un bar à l'intérieur. C'est trop stylé ici, hein, avec les barbelés au premier plan. J'espère qu'on pourra comme ça se déplacer en meute. Ce serait normal pour des loups-garous. Et là, le hurlement. Ah, c'est trop bien. Non mais je suis vraiment super hypée. Donc apparemment, il sort le 16 juin. On va pas devoir attendre super longtemps pour l'avoir. Dans environ 2 semaines, c'est bon, on l'aura. Pour l'instant, ça correspond vraiment à toutes mes attentes. Je veux juste vérifier qu'on ait un système assez complexe de progression dans les stades de loups-garous, hein, comme pour les vampires ou les sorciers. Et si on a ça, si on a le fait de pouvoir se balader en meute ou quelque chose comme ça, ce sera très bien. Et vraiment, je vais guetter les informations à ce sujet. Je suis super contente, je ne suis pas du tout déçue de l'aspect des loups. J'avais regardé vite fait à quoi ils ressemblaient dans les Sims 3 et ça me plaisait pas trop. Là, c'est cool, ils ont assumé le côté cartoon jusqu'au bout. Je trouve ça vraiment sympa. Puis s'ils peuvent se déplacer à quatre pattes, c'est cool aussi. Écoutez, je suis assez emballée pour le moment. Ça faisait longtemps qu'un contenu Sims m'avait pas fait envie comme ça. J'ai plein plein d'idées, j'ai envie de faire un let's play loup-garou, hein, mais c'était pas trop dans les plans. Écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce trailer, quelles sont vos impressions, quelles sont vos attentes? Est-ce que vous attendez un peu d'en savoir plus pour être emballé? Est-ce que depuis le début, vous n'avez pas envie de voir ce genre de contenu dans les Sims? Ça, je peux tout à fait comprendre aussi. C'est quand même assez spécifique, déjà le surnaturel dans les Sims. Mais moi, c'est vrai qu'étant une fan de fantastique, c'était sûr, c'était sûr. Merci beaucoup d'avoir regardé cette bande-annonce avec moi, en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu avant de partir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!